printemps réchauffe déjà Lugano. Premier rayon ardent sur le Tessin. Loin de cette Dolce Vita ticinese, c'est à la Resega que les volleyeuses de l'équipe de Suisse travaillent leur gamme. Parmi elles, la Haut-Valaisanne Tabea Daliar. Pour moi, c'est une fierté de jouer pour l'équipe nationale. Je pense que pour chaque joueuse, c'est le but dans sa carrière de jouer pour l'équipe nationale. Là, le rôle de libéro qui est très important pour l'équipe parce qu'elle organise la défense, elle organise la réception. Elle a toujours un sourire sur les lèvres, elle est toujours positive. Et surtout dans ses rôles qu'elle joue, c'est très important parce qu'elle ne peut pas attaquer, elle ne peut pas marquer les points. Alors elle doit soutenir toute l'équipe. Et comme ça, c'est très, très important qu'elle est calme, mais elle peut renforcer l'équipe avec son enthousiasme. En LNA, la Haut-Valaisanne s'est fait sa place du côté du Neuchâtel Université Club. Cette saison, les Neuchâteloises ont atteint la finale de la Coupe de Suisse face aux filles du Volero Zurich. À Neuchâtel, Tabea Daliar s'est aguerrie. Mais cet été, c'est aux États-Unis qu'elle va s'exiler, sous les couleurs de l'équipe universitaire de Point Park, près de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Je vais en fait pour une nouvelle expérience, pour voir autre chose, surtout dans le volley, parce que dans chaque pays, ils apprennent autrement le volley. Et peut-être je peux prendre quelque chose depuis là-bas, mais aussi pour la langue, pour découvrir un autre pays. En Amérique, on n'a pas une ligue comme la Ligue européenne, par exemple en Italie ou en Allemagne. C'est une ligue avec un collège et ça veut dire que ça dépend un peu dans quelle équipe elle est. Mais je suis sûr qu'elle va faire l'expérience dans une autre ligue, dans un autre monde, surtout avec des spectateurs. Il y a beaucoup, beaucoup de monde là qui va voir des matchs. Si le regard du coach national sur son exil est avant tout sportif, la Haut-Valaisanne y voit aussi une évasion en toute simplicité. Quand t'es jeune, il faut profiter et puis je peux toujours revenir quand je veux. Revenir quand elle veut, avec l'ambition de garder son niveau de jeu pour continuer son chemin en équipe de Suisse.